Cette semaine, j'ose le dire, j'ai le goût de m'informer en prévision, évidemment, des élections provinciales, municipales, pardon, qui arrivent là, à grands pas. Et c'est mon goût, je l'assume. Et je vous propose d'aller regarder à cette fin le débat de fond entre Valérie Plante et Denis Coderre, qui a été diffusé plus tôt cette semaine à TVA, mais que pour une raison mystérieuse, personne n'a vu. Eh bien. Bonsoir, ici Pierre Monod. Si comme moi, vous habitez à Montréal, dans un petit local barré à clé dans le sous-sol de TVA, vous devrez très bientôt voter pour élire un maire. Pour vous aider, vous à la maison, nos auditeurs, nos petits chérubins d'amour, à faire un choix éclairé, voici notre débat des chefs présenté à notre antenne. En fait, c'est plus vraiment une antenne, c'est surtout du filage. Mais TVA! T'en sors! Excusez-moi si c'était long. C'est que il n'y a même pas de piste cyclable pour se rendre aux toilettes. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous comptez faire concernant la montée de la violence par arme à feu dans la métropole? Bon, premièrement, moi, je tiens à dire à quel point je suis très, très heureuse d'être ici. Bon. OK, c'est le fun! Yes! D'accord. Yes, yes! Alors, concernant la violence, d'accord, je propose de créer une unité spéciale qui va patrouiller les quartiers chauds et quand ils vont voir un jeune avec une arme à feu, ils vont lui dire... C'est pas fin. Ben, écoutez, moi, je connais très bien le chef là, du service de police de Montréal. Là. Il vient souvent manger à la maison. On prend une petite bière, une petite partie de fléchette de gazon, un petit café irlandais. On jase. Vérité conséquence. On se met en pyjama. On se fait des chatouilles. Après ça, ben, c'est bye-bye jusqu'à la semaine prochaine. Hein? Puis on recommence la semaine d'après. Puis... C'était quoi la question? Les citoyens de Montréal se plaignent souvent des travaux et des fameux cônes oranges. Qu'avez-vous à leur répondre? Bon, écoutez, là, d'abord, les petits cônes oranges, c'est pas très grave, ça. C'est comme des citrouilles d'Halloween, c'est le fun, c'est festif. Et si je peux me permettre, je veux juste dire à quel point je suis contente d'être ici, vraiment. Monsieur Coderre, regardez-vous votre cellulaire? Non. Je vous ai vu? Non, j'étais en train de le placer dans ma poche. Il est encore dans vos mains. Oui, mais comme je dis toujours, tu peux pas avoir les mains pleines quand t'as les poches vides, hein? Moi aussi, j'ai des jolis gars! Go Montréal! Go Montréal! Go la vie! Go la vie! Oui, bon, on va maintenant écouter la question de le citoyen. Et est-ce que ça tourne? Ben oui, ça tourne. Est-ce que ça tourne? Oui, oui, oui. Est-ce que ça tourne? Oui. Donc, d'après vous, est-ce que ça tourne? Ben, moi, je dirais que ça tournait vu qu'on a vu le monsieur à l'écran. Mais le plus important, je pense, c'est de vous dire que je suis vraiment contente d'être ici. Je suis tellement contente d'être là. Bon, ben, moi aussi, là, comme, évidemment, comme le monsieur, là, je me demande ce qui tourne pas rond à Montréal. Puis, à chaque fois que je me demande ça, je me dis que la réponse est à côté de moi, là. Montréal connaît présentement une crise du logement sans précédent. Que comptez-vous faire? Alors, nous, on promet de créer un registre des loyers. C'est comme un registre des naissances, mais pour les loyers. Donc, si vous accouchez d'un loyer, va falloir le mettre sur le registre. Et j'aimerais juste ajouter que je suis tellement contente d'être ici. Écoutez, l'ancien Denis aurait dit on va donner des amendes aux propriétés insalubres, mais le nouveau Denis dit on va donner des amendes aux propriétés insalubres. C'est pas la même chose? Non. Merci de nous avoir écoutés et bon vote. Ne manquez pas, après la pause, la poule aux œufs d'or spéciale hip-hop. Oui. Moi, je dois retourner dans mes appartements. Bonne soirée. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, Pierre. Je veux juste dire à quel point je suis contente d'être ici et à quel point je suis passionnée de pénis. De tennis.